Et coucou YouTube, c'est Renou, pardon, je sais déjà même pas ce que je raconte. On est de retour pour le Not So Berry. Oh là 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 là. En live sur Twitch. Désolée, je savais plus où j'habitais. Et bienvenue pour cette rediff, évidemment. Coucou YouTube, bonne Voilà. rediff à vous. Des bisous. Je fais 25 trucs en même temps, je ne peux pas suivre en même temps, mais vous. Pas de soucis, Bonjour la nanane! famille YouTube, venez nous rejoindre sur Twitch les jeudis pour des moments de folie. On vous fera de la place, bien des cœurs violets. Bon, le jeudi, c'est juste pour le Not So Berry, hein. Il y a plein d'autres lives aussi, hein. Sympathiques, hein. Vous êtes toujours les bienvenus, Salut les évidemment. copains à la compte de la rediff. Donc, la semaine dernière, on avait fêté l'anniversaire de nos jumelles. Vous voyez qu'elles ont été relookées. Donc, vous allez pouvoir Coucou YouTube agent découvrir. 21 QQ. Vous allez pouvoir découvrir leur nouvelle tronche et leur style, sachant qu'il y en a une qui a un petit style un peu sympathique. Voilà. Et puis, Coucou bah. YouTube 3. YouTube 3. Alors, c'est tout plus petit que 3, mais elle le dit plus, cette Chantal. Notre amie Nunu. Eh ben, le seul objectif qui reste maintenant, c'est le niveau 10 de la carrière professionnelle. Et on aura fini la génération grise. Donc, bah, j'espère qu'on va vraiment le faire. Du coup, je vais m'intéresser à ça aujourd'hui à fond. Et la semaine prochaine, on pourra du coup faire l'élection de la nouvelle héritière, bien sûr, entre les jumelles, hein, parce que Prune ne fonctionne, ne sert pas à cette, elle ne rentre pas dans l'équation. Merci Captain pour l'hébergement. C'est YouTube en retard. Compote. Ah, je me souviens aussi que t'avais pas écrit. Je m'attendais à ça. La comp de la redit, j'avais pas compris. Je suis la honte de la nation, je sais visage triste. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux célébrer ton père? Alors bah c'est Lila que vous voyez ici. Tiens, viens, viens, viens te présenter. Alors elle avait ça quand quand elle a grandi, elle avait ça en pyjama. Regardez-moi cette petite beauté. Ouais, elle a un petit piercing. Ouais, elle a les cheveux un petit peu rasés. Ouais. Bon, alors les filles se ressemblent énormément, les jumelles. Donc ce sera vraiment plus. Bah si on fait la compétence. La. Je vais y arriver à parler, hein, c'est pas possible. À chaque fois, je galère au début, de toute façon. Mais écoute, tu vas faire tes trucs. Voilà. Une compétition de logique, ça avait l'air de plaire. Je sais que j'ai eu au moins un commentaire là-dessus. Donc merci beaucoup pour la personne qui a répondu à cette annonce. Donc je pense qu'on fera une petite compète de logique entre les deux jumelles pour savoir laquelle va engendrer la génération d'après. Ça sert à quoi l'hébergement? Ça veut dire que quand tu vas sur la chaîne de Captain, eh ben, au lieu de. Super. Eh bien, non, tu sais quoi? Tu vas réparer! Parce que la génération Prune, il y a beaucoup de choses à faire, donc tu vas réparer. En gros, tu vas sur la chaîne de Captain, au lieu de voir quelque chose bah, sans rien, tu verras ma chaîne à moi, quoi. Tout simplement. Coupe du monde d'échecs. Ouais, peut-être pas Coupe du monde, mais elles vont faire une partie l'une contre l'autre en 3 points, et puis on verra bien qui gagne, quoi. Ouais, vous pouvez commencer à voir un peu son style. Et du coup, elle n'a pas utilisé les chiottes. Elle était un peu relou quand même, un peu. Ça va, il est dimanche. Lavande, elle fait dodo. Ça va, tout le monde dodote. Et puis Prune. Cette pauvre petite Prune qui ne sera pas dans l'équation de l'héritage. Non, non, bah non. Mais je ne suis pas la seule à la rejeter, puisque en live, vous l'avez rejetée et j'ai eu au moins deux commentaires qui disaient: non, mais en fait, tu l'as mis pas dans la compète là pour l'héritage, c'est pas possible, hein. Je suis d'accord, vous inquiétez pas, ça sera entre les deux jumelles. C'est mort, je veux pas de prune en héritière, et ça, je vous l'avais dit depuis qu'elle était bambine, même bébé. Parce que j'avais triché, je l'avais fait grandir en avance. Et j'avais fait. Non. Non. Voilà. Salut Cara, comment tu vas? Ta belle chaîne qui cartonne à max. Oh, j'irai pas jusque-là, mais. Mais c'est gentil. Après, que ce soit l'une ou l'autre, dans la génération Prune, il va falloir avoir 8 compétences. Non, 6 ou 8. Attendez, bah, je perds la boule, moi. Alors, non, c'est niveau 8, mais 6 compétences. 6 compétences au choix. Mais il faudra monter jusqu'au niveau 8. Voilà, c'est ça. 6 compétences. 6 compétences de niveau 8.
dont 2 qui sont au niveau 10. Attendez, c'est pas clair. Est-ce que je dois en avoir du coup 6 et 2 de niveau 10? Ou sur les 6 compétences je peux en, de niveau 8, je peux en avoir 2 parmi les dedans qui sont au niveau 10? Ça fait beaucoup quand même. Si on faut 6 et 2 autres de 10, ça fait 8 compétences à monter jusqu'à 8 minimum. Je ne sais pas. D'ailleurs, il faudrait que je demande à Crime, vu qu'elle est tellement au-delà de moi maintenant, il faudrait que je lui demande. Alors, Prunette! Prunette, elle danse. Ouais, Prunette, elle est mignonne, hein, de face. De face. Regardez-moi ce profil! C'est magnifique! C'est pas gentil. Je ne suis pas gentille, mais ça, j'ai jamais dit que je l'étais. Voilà. 6 et 2, ça fait 8! La vente en puissance, ah ben ça, on sait pas, hein. Nunu! La Nunu! La Nunu, la best. Tu vas faire quoi? Des brochettes de viande sur le grill, ouais. Ok, mais fous pas le feu. S'il te plaît. Ah ben, elle aussi, elle fait sa cuisine. J'espère que t'as pas un plat qui n'en finit pas, parce que moi, j'ai des quelques soucis avec la bouffe, hein, dans les Sims en ce moment. Ils mangent des trucs, mais ils n'en finissent pas, quoi. Et lavande... La voilà. Alors j'ai essayé de faire des styles au moins qui soient, qu'elles soient, qu'on puisse, que je puisse les différencier parce que. Voilà, une petite salade à la cire d'oreille, c'est toujours meilleur. Oh, comment ça a ramé sa mère? Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà la semaine dernière, ça m'a fait ça. Je l'ai jamais ça. Tu peux manger ça du jardin. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a cassé quoi? On est au bien. C'est maman qui a tout cassé. Bon, Prune, elle a bien perdu du poids. Ouf, par contre, Adonis, toujours aussi fat and burger. Ouh, je sais pas, j'ai envie de dire fat and burger, je sais pas pourquoi. Mais t'as fait à bouffer ou quoi? Qu'est-ce qu'elle m'a fait, Prune, là? Nuage, pardon. Non, je sais pas. J'aime bien ce que les filles violettes sont en violet, vu qu'elles sont toutes concentrées. C'est mignon. Et Nunu, elle est en gris. Elle est bien. Ça me fait rire. Lui, il devrait être en noir, vu qu'il a les cheveux noirs, mais en fait, non. Il est en vert. En vert et contre tous. Servir le déjeuner. Des haricots saucisses, allez, on va péter dans la place, ça va être beau. Salut Béatrice, comment tu vas? Oh, ça va bien. Pourquoi elle a quoi prune? Désolée, j'ai pas suivi. Bah, elle est moche. Puis en plus, elle a les yeux marrons, donc ça peut pas passer. Oh, on a des soucis On écoute la musique un peu forte. Ah, tu peux danser, hein? Vas-y, 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 danse, hein. De toute façon, il faut maxer la compétence danse. Donc, tu danses si tu veux. Non, tu vas pas faire à bouffer. Il y a déjà ton père qui fait à bouffer. Va danser, va faire avec ta soeur. C'est bien, non, c'est laquelle, c'est celle-là. C'est bien, elle est en train de faire le ménage. Ils n'ont pas des problèmes pour faire le ménage, parfait. Eh bah, tu sais quoi, tu vas aller danser avec tes sœurs. Allez, hop. Bon, Prune, je la fais danser, mais en vrai, on s'en fout. Prune, elle va pas nous servir beaucoup. Toi, tu vas aller t'occuper de toi. Donc, faut absolument que Nunu ait le niveau 10 de sa carrière. Pour l'instant. J'aimerais changer mon pseudo, à votre avis, je mets Tatou ou Tatou Camon. Tatou Camon, évidemment. Pourquoi tu veux changer ton pseudo? Ça fait toute ta personnalité. Il faut qu'elle ait le niveau 8 en charisme. Charisme! Oh là là, elle m'énerve avec son sport. Tu veux aller courir, hein? Non, attendez. Avec les trois, elle. Tu vas faire de l'exercice, tu vas faire des abdos, tu vas faire des pompes. Et tu vas t'étirer. Et après, tu vas... S'entraîner à faire un discours. Enfin, elle a un body goal quand même, Nuage. Elle me tue. Elle me tue! Elle a trop de style en plus. Je le trouve lent et de toute façon, on le prononce jamais entièrement.
Une fois, oui, au début, je t'appelais, t'as touché le fond, mais à un moment donné, oui. J'adore aussi le défi. Ah, c'est gentil. Bon, on a la vente qui est encore en pige, mais elles vont aller courir. Ah, il faut avoir des bonnes compétences, hein, donc ce sera fitness, hein, je l'avais dit, hein, parce qu'elles sont un petit peu rondelettes, et désolé, mais j'aime bien les Sims. Mince. Je trouve ça quand même plus joli. C'est lui qui a pété? Bah oui. Bah oui. Déjà dans une heure? Elle aura pas sa promotion aujourd'hui, hein. Parce que le charisme, on est à 6 sur 8. Allez, va pour tête au canon. Ah bah oui, t'as tout Camon quand même, ça reste une belle crise de rire tout ça. Ouais, il y a que ceux qui ça date, hein, t'as tout Camon, mais on sait nous. T'as tout Camon, quelle question, bah oui. Prune est loin d'être horrible à regarder quand même. Oui, ah, de face. De face, elle est choupette. Elle a un bon petit style et tout, mais alors de profil, c'est pas possible quand même. Mais voilà. Tu peux ranger ça? Ah! Je vais leur faire faire la bouffe aussi! Oh, il arrête pas de péter. Tu vois, tu peux faire ça. Hein. Et du coup, tu finis à quelle heure le boulot, toi? Parce qu'il y a la soirée Netflix, 21h encore. Bon. Si on est dimanche, donc ce soir, il faut qu'ils regardent un film en famille. 80%, ça monte pas vite. Hein. Ah, elle va bosser. Elle travaille pas lundi, donc on va faire un max du charisme. Charisme, qu'est-ce que c'est encore ça? Qui êtes-vous? Arc-en-ciel, j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes que dans le Legacy. Bah, en même temps, c'est un peu les familles que j'ai pris du Not So Shirley, du hashtag Not So Shirley. Effectivement, travailler dur. Ouais, tu vas travailler dur. Bon, prune! Tu casses les noix. Allez, hop, va courir. Allez, hop, tu vas repousser tes limites, toi. Et Lila, bah, elle est en train de courir. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore installé des Sims, la mince. J'ai oublié, en fait, d'installer des gens. Oh non. Oh, et puis alors, et ça se voit que c'est une Dubois. Hein. Ça, c'est de la famille à l'autre, là. Ah bah non, la Romain Dubois. Ah, peut-être que c'est juste ça. Je sais pas, elle ressemble vachement à. Comment ça s'appelait? La Sims de. Que Marie a mis dans mon foyer et qui a colonisé les yeux marrons, là. Niveau 6 de la robotique. Bah écoute, vas-y, tu viens bidouiller. Oui, bah écoutez, lui, il est ingénieur. On essaye, voilà, on joue un petit peu aussi pour la carrière, voir un petit peu. La tester. Plus, il est censé avoir une promotion, sauf que ben. Il n'a pas encore le niveau 6, donc pour l'instant, il va pas le gagner. Oh, arrête de parler, travaille, s'il te plaît. Tu perds du temps là. Plus, elle t'écoute même pas. Elle en a rien à fiche. On pourra prendre une douche après. Toi, tu fais le ménage? Dommage que le ménage ne soit pas une compétence. Ah! Sinon, tu peux venir danser. Parce que ça, il n'y a que 5 points pour la danse, donc ça va être vite fait, mais bon. Alors, on va ajouter des compliments, parce que je le fais tout le temps. Là, c'est sûr. Gain de performance petit. C'est toujours bon à prendre, pardon. Discuter avec les collègues, voilà, ça monte un petit peu. Mais ici, oui, c'est ça, merci Camille. Merci. Tu devrais peut-être monter le chat. Là, il chevauche la barre des besoins. Ah, attends. Ça dépend, ouais, si je monte la carrière. Mince, ça c'est le jeu. Voilà. Comme ça vous va? Parce qu'après, il y a les trucs ici, donc c'est vrai que ça peut être chiant si vous voyez pas ce qui est écrit. Tu as aucun bug quand tu installes des Sims dans tes parties. J'ai bloqué 3 de mes parties à cause de ça. Ben non, là j'en ai pas fait depuis un moment, donc je vais pas te mentir. Mais attends, elle a pété les toilettes. Mais qu'est-ce que.
Mais vous êtes des gogoles ou quoi? Vous savez rien faire? Attends, elle va là. Vas-y, va te réchauffer. Tu vas. Comme ça, tu vas te rafraîchir. Enfin, tu vas te. Oh, je sais plus parler. Ah, toi, tu fais tes devoirs. Je t'avais demandé de danser, mais bon, d'accord, tout va bien. Et lui, bidouille. Parfait, c'est bien. Ça, ils sont calmes aujourd'hui. Ils me cassent pas trop la tête. Non, non, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas installé les gens, j'ai oublié. Nickel. Non, ça bloque pas d'installer les Sims. Bah, Ina, s'il y a un souci. T'as tout comme. Ah oui, GG! Ça a marché! Salut Paulinette, comment tu vas? Et boum! Dans la chaudron! Alors. De toute façon, on n'aura pas aujourd'hui la compétence. Enfin, la promotion. On va faire travailler dur, ça va bien monter à un moment donné. Hein. À un moment donné! Bah Gertrude, vas-y, hein, répare hein, et nettoie. Parce que quitte à leur faire travailler pas mal de compétences, on va commencer dès maintenant faire du bricolage et tout. Parce que je ne sais pas laquelle des deux gagnera, donc je commence à faire monter quoi. Voilà. Quatre pièces de robot. Mais c'est bien, mon petit. Tu peux rebidouiller aussi, tant qu'à faire. Agent 21 mousse, agent 21 mousse, agent 21 mousse. Tout en camon, tout en camon, tout en camon. T'as tout camon, pardon. Oh, je suis de la merde. Tu en supprimes pour réinstaller. Ah, c'est pas à moi, pardon. Voilà, c'est bien, cocotte. Regardez-moi cette petite tenue. Bon, ça va, ils sont en été, ça se voit pas trop ce qu'il pleut dehors, mais elle a sa petite tenue d'été quand même, la cocotte. Bon, elle a fait ses devoirs. C'est vrai que toi, si tu les as pas fait non plus, va falloir. Hein. Allez hop, fais tes devoirs. Et toi, qu'as-tu fait? Non. Bon, tu les as déjà fait. Parce que j'entends la musique, je sais pas si vous l'entendez. Il va falloir choisir des compétences qui soient simples à monter. Hein. Honte à toi, tu défigures mon pseudo. Oh! Dis donc! Tu manques de respect à notre pharaon quand même. Matisse. Parce qu'en fait, je vois Ma et Fitness. Malice, Fitness, Danse, Cuisine, Charisme, Bricolage. Ouais, c'est pas mal ça. 1, Qui 2, a une 3, bonne 4, recette 5, de mug cake au 6. chocolat? Quoi commence à rien avoir? Mais t'en avais do tu m'en avais donné une en plus! Tu le fais plus? C'est juste que moi je crois que j'avais utilisé un chocolat qui était pas tip top la compote, tu vois, mais il était bon. Allez, chacun son tour au sport, allez. Bon, et t'aurais pu reprendre tes cours, hein, feignasse. Ça va? Tranquille, Emile. Elle, on lui avait pas dit qu'on la caserait avec. Bon, lui, c'est le cousin, là, c'est la cousine. Ah bah, Jonathan, Richard. Intérêt réciproque. Ah ouais, bah voilà. On va la caser avec. Ouais, Mathieu, c'est un wesh. C'est vrai qu'au niveau garçon. Ouais, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie. Et Je toi? vais faire mes pâtes ce soir, siesti spaghetti ballo. J'en ai mangé ce midi des spaghettis. Dixit la meuf qui a déformé le nom en premier. Bah bien sûr. Mais parle pas, tu le perturbes. Après il se donne des coups dans la tête, ta faute. Ouais, un petit fitness niveau 8, ça passe, hein, on a ce qu'il faut à la maison. Je suppose que tu as déjà. Ah, pardon, ça vient. C'était avec du beurre de cacahuète, j'en ai plus. Ah, mais c'est ça en fait, mon beurre de cacahuète, je crois qu'il était un peu trop cacahuète. Du coup, c'était bon, mais j'aurais dû mettre plus de sucre, un truc comme ça. Je crois que j'avais eu un souci aussi avec le sucre, oh, je sais plus. Enfin, j'avais mis du miel, je crois. Ça va? Tu t'éclates? Après, tu pourras danser. Tu pourras danser sous le sunlight des tropiques. Pique. Et l'amour se raconte en musique. Ouais, je pense qu'un petit fitness niveau 8, ça passe, hein.
Elle est claquée, mais oui, mais t'es levée super tôt. Ah, Nunu, elle va bien rentrer du taf, donc ça va être le moment. Le moment. Je sais bien parler la France, voilà, comme ça c'est bien. Tu vas aller te douche-douche, parce que ta mère va rentrer. Comme ça, vous pourrez regarder la télé ensemble. Mais toi, mange. Et va pisser. Elle a fini ses devoirs. Bah non, c'est la même. C'est toi que je me suis trompette. Ah! En plus, elle a besoin de regarder un film. C'est merveilleux. Hop, tu vas venir. Tu vas regarder. Alors, sachant que nous avons qu'un canapé 3 places. Donc tout le monde ne pourra pas regarder la télé. Le film. Ouais, on est comme ça, nous. Allez! Soirée Netflix, les enfants. En plus, il est marqué Journée des farces. Normalement, non, c'est soirée Netflix. Regardez un film avec. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Sim Dare et Super Enfant. Sim Dare. Bah, on va regarder Sim Dare avec. Ah, oh, bah, il y a Minnie dans le coin. Ouais, non, mais Minnie, elle Coucou, casse j'aménage demain, yes. les couilles. Ok! Salut, Nani! Super, t'as fait tes cartons! Oh, c'est trop mignon. J'ai le bug du bambin. Si tu le fais courir partout, il s'arrête jamais. Du coup, le bambin court toute la journée dans la part jusqu'à que je décide que ça suffit. Ah bah c'est ce qui se passe au-dessus de ma tête en fait. C'est qu'ils ont cliqué sur courir et du coup ils font que ça. Ça doit être ça. Pourquoi ils sont tous debout? Bah oui, asseyez-vous, merde, il y a un canapé quand même. Bah, regardez ce qui se passe à la télé nous aussi, hein. Oh, magnifique toile. Ah, c'est Simsder, c'est pour Tinder. D'accord, j'avais pas capté. Allez, on va regarder ça de plus près. Hein. On va regarder l'histoire parce que. Ah, ça se voit que c'est les Sims 3, mais j'ai l'impression que je l'ai jamais vu celui-là. Ah, il est moche! Oh mon dieu! Oh là là, cette sélection sur le physique, mais quelle angoisse! Parce que là, elle se croit mieux. Ah, c'est qui? C'est son mec? C'est quoi ce haut, sérieusement? C'est affreux quand même ce truc. Oh là là, le Playboy! Oh, la coupe de cheveux! Oh mon dieu. Et c'est l'amour. Ah, la musique. Ah ouais, d'accord, c'est du Dirty Dancing. Ah bah tiens, ah, bah non. Quoi, il est mort sur la piste de danse, genre? What? Des bambins qui mangent pas. Ah oui, c'est ça! Il est mort sur la piste de danse, le mec. Et elle se marie avec un fantôme. Ok. D'accord. C'était super. Coup du lapin. Coup dur pour Émilie. Allez. Non mais tu vas pas... Chut. Non mais tu vas te calmer, ouais. Ta mère, c'est une héritière. Mais putain, mais j'en ai... Oh, excusez-moi, je dis des mots, mais... Je leur demande, il y a 15 000 plats dedans, mais non, il faut qu'ils cuisinent un nouveau truc. Ça m'exaspère quand ils font ça. Ah, tu peux aller aux toilettes. D'accord, j'avais déjà cliqué, mais bon, vas-y, vas-y. Et toi, oh bah toi, il y a un qui va. Tu vas aller chercher à manger aussi? Tu vas manger ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il était pas bien le film? Pourquoi c'est toujours au début? C'est bon, on l'a regardé le film là, on a vu toute l'histoire hein, maintenant, oui. On va regarder en boucle. Hein. Et toi? Voilà. Embrassez langoureusement, allez! Laisse tes parents tranquilles. Voilà. Ouais, Cocotte, t'iras aux toilettes après. Et puis au lit. Hein. Alors, Lila. C'est sûr. Je ne savais plus. Trop tard. Alors, on va faire aussi du ragoût de campeur. Allez. C'est Ghost. Oui, c'est ça, c'est Ghost. Genre, nos voisins doivent avoir le même bug. On peut les supprimer avec le MCC. Si seulement, c'était simple comme ça. Et bon. Le MCC bug, je crois qu'il y a une mise à jour. J'en sais rien. Faudrait que j'aille voir.
toute façon, moi j'ai toujours un souci avec. Mais lui, il continue à regarder. Regarde, ils ont un problème avec la bouffe. Je vous laisse, je vous retrouve à la rediff lave, 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 lave. Encore, Sianana, tu nous abandonnes. Ouais, des bisous, à bientôt. Merci d'être passé. Arrête! Oh là 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 là. Quel tuck cette fille. Mais. Et toi, tu bouffes quand, toi? Ouais, elle m'énerve. Tu t'es fait à bouffer pour pas le bouger. Oh, tu me saoules. Oh, tu me saoules, toi. Oh, tu me saoules. Toi. Non, tu vas. Oh, vas-y. Oh, j'en ai marre. Oh, il me casse les reins, je vous jure. Hein. Elle va au chiotte. Ok, et elle a un plat qui bug, non? Bon. Parce qu'au niveau de la bouffe, c'est n'importe quoi. J'étais en train de me dire, mes nuages est déjà vieille, elle a les cheveux gris, pourquoi pas Adonis aussi bizarre, je me suis dit. Jusqu'à que je me rappelle qu'on est sur le Not So Berry et donc si est-ce normal qu'elle ait les cheveux gris. Bah oui. Puis surtout ils ont le même âge donc oui effectivement ils devraient être gris tous les deux. Je pensais que j'avais des spaghettis mais en fait non, coup dur pour Marie. Oh, ma pauvre. C'est dur à la vie hein. J'en ai moi si tu veux, les spaghettis. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, je prends toujours des coquillettes. Je vais faire des spag. Pour une fois. Bah va te coucher toi. Tu sers à rien en plus. Toi tu iras te pioter aussi. Elle dort déjà, donc c'est nickel. Et toi, bah tu finis de manger et puis dodo quoi. Voilà voilà pour hein, là où on en est. Objectif charisme. Objectif charisme. Je crois que mon cerveau est à la ramasse aujourd'hui. Ouais. Tu vas prendre la responsabilité et tu vas faire du charisme, tu vas complimenter la tenue. Du coup, si IST pâte au jambon, car j'ai 5 ans. Merc, jambon. J'adore les coquillettes, moi aussi. C'est pour ça que j'achète que ça. Enfin, ça reste quand même que des pâtes, quoi. C'est juste la forme qui change, mais bon. Oh là 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 là. Voilà, comme ça, elle travaille sur charisme. Après avoir engueulé toute la semaine dernière, on a fait que engueuler les gamines qui faisaient des qui n'arrêtaient pas en même temps de dire des gros mots, donc c'est normal. Aujourd'hui, on va dire oh t'es bien habillée, oh mais t'es bien habillée, oh mais t'es bien habillée, ah oh, tu sais que tu es bien habillée. Journée des farces, on s'en fout de la journée des farces. Gratin de coquillette trop bon. Allez, va te coucher. Non, nettoie pas, on s'en fout. Il y a une femme de ménage demain. Allez! 2h20 du mat, quoi. Hein? Vas-y, illumine la journée. Fais du charisme, hein, vas-y. Hein. Te retiens pas. Hein. Complimenter la tenue. En fait, je t'ai pas dit que je trouvais que t'étais bien habillée. Ah, tu me l'as dit il y a 2 minutes, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, au dodo, tout le monde. Bon, lui, son plat, il diminue jamais ou quoi? Allez hop, arrête parce que ça m'énerve. On est tombé sur un... Non, c'est la salade de fruits qui déconne. Va te pioter! Allez, zou. Rintintin. Allô? D'accord. C'était mon jeu. C'était mon jeu, tout va bien. Il va déjà se passer tellement vite que ça va être l'heure de l'école. Pour les filles, le lycée, bien sûr, ils vont se faire des amis en masse parce qu'il faut rencontrer du jeune homme. Et que sans jeune homme, pas de reproduction. Pas de reproduction, pas de génération marron. Je sais pas marron, la génération.
Voilà, ça va, elle est en forme. Et elle aussi. Bon, je vais les laisser dormir jusqu'à ce soit l'heure de l'école. Ça, c'est fait. Les bis pendant un live où il y a une rediff, je suis pas sûre que ce soit super. Bah, dis ça aux gens, hein. C'est pas moi, hein. Moi, je les active, hein. Je les ai désactivés une fois. Si, les gens, ils ont rigolé sur sur la voix de Chantal. Ouf, coup de chaud, j'ai cru que le jeu avait crash. Le mien? T'inquiète. Bon, c'est pas grave, hein, on recommence. Et ben voilà une demoiselle en forme, une demoiselle de Rochefort. Ah là là. J'aime bien les shorts, hein, ça se voit ou pas? Il y en a une qui a le sourire, il y en a une autre qui fait la gueule. Pour changer. Elles sont un petit peu rondelettes, hein. Alors, vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire des amis. Nunu, t'es réveillée? Super, tu vas prendre une douche méditative, allez. Et tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup parler au miroir aujourd'hui. Pour monter son charisme pour le niveau 10 de la compétence. C'est toute la journée, elle va faire ça. Parce qu'elle a besoin. Oh, elle a mis sa super tenue. Elle vient de péter sa mère. Note améliorée. Elle va réviser beaucoup. Regardez ce prout magnifique. Beat. Voilà ma proute. Voilà, regardez. Regardez son fessier magnifique avec l'odeur qui en sort. C'est superbe. Grosse dégueulasse. Gain de performance petit. Super. Et là, on est parti pour rencontrer de l'humal. Salut Oscar, comment tu vas? Et même pas au niveau 7, hein, donc ça va être un poil long. Mais ça... J'ai eu peur, je croyais que c'était ça déjà. Ah, on va y arriver au niveau 7 là. Allez! Oh, mais on s'en fout de l'université, on n'y va plus. C'est fini, on n'y ira plus jamais. J'y suis allée pour tester, j'y suis allée avec Pulco, c'est bon. On n'irait plus. Trop compliqué. Trop long surtout. Lila a rencontré Alexandra. Oui, mais c'est plus des garçons qui m'intéressent, Jacqueline. Notre femme de ménage est en forme aujourd'hui. Écoute, si toi tu t'ennuies, il fait quoi? Il bosse pas lui aujourd'hui? Attendez, je suis perdue. Il bosse pas! Oh, allez, tu vas me faire un petit entraînement, puis après tu vas te bidouiller aussi, voilà. Moi j'ai un avenir tout tracé pour toi, Adonis, hein, pas de soucis. C'est comme il est assez. Il est, je sais pas, il est très épais. Il était un peu gras, je lui ai fait faire du sport et hop, ce niveau 7, c'est parti. Les factures aussi, c'est parti. Et il s'est vachement épaissi. Mais il a quand même des abdos, donc c'est un peu bizarre. J'espère que tu vas pas t'emmerder devant ce miroir toute la journée, mais... Quand même que... Aujourd'hui, c'est l'objectif nuage, hein, qu'on te valide l'aspiration, non. Seule chose qui reste, c'est son boulot. Donc l'objectif, ça sera de faire ça. Non, Mini! La stalkeuse. Elle est relou. Je te fais un cadeau, on m'accuse de vol. De quoi? Tu m'as volé mon petit. Ah, pardon. Pas de soucis, prune! Ah, ta putain de voisine, c'est bientôt fini la putain de voisine. Des bisous. Merci d'être passé. C'est moi ou j'ai plus de son sur le jeu, encore une fois? Vous entendez bien le jeu ou quand je parle et tout ou pas du tout? J'ai l'impression que j'ai plus de son. Attendez. Faut que je remette parce que sinon, si je vérifie, vous avez plus le son. Ah, ça va être long, hein? Ça va être long. Vous avez le son quand même? Ah, Jeb! Oh, c'est vrai qu'il y a Jeb. C'est vrai que Jeb n'est pas trop dégueulasse au niveau des Townies, qui est à Evergreen Arbor. Donc elle l'a rencontré. C'est une bonne chose. Elle n'a pas gagné beaucoup, hein.
Il n'y a pas son temps devant le truc, hein. Lui, il fait quoi? Il a fait son sport, là, il est en train de... De bidouillax. Bonjour, Titi Mouche. Va falloir dire qu'ils sont bien habillés pendant. Je suis allé voir la tête de Jed perso. Je le trouve pas si beau que ça, mais pour un townies, ça va, j'avoue. Pour un townies, c'est limite le plus beau, quoi. Hein. Après, oui, il a des petits trucs à retoucher vite fait, tu vois. Mais franchement, je suis plus étonnée parce que, en général, ils sont tous dégueulasses, quoi. Donc, on entend bien, bon, ça va. Ils ont caché le seul PNJ potable sous un sapin. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Ils ont caché, bah c'est Crime qui l'avait montré sur un live. J'ai fait effectivement la bonne surprise, dis donc. La très bonne surprise. Il a récupéré 4 pièces de robot. Mais c'est super! Comment ça, t'as faim? Non. Est-ce que t'as niveau 6? Non. Bah tu continues à bidouiller. Allez, Jean-Claude. Et puis tu referas du sport après. Ça te fera les pieds comme ça. C'est comme ça, moi aussi. C'est au charbon, hein. Non mais ça va être long là. Elle a à peine gagné 16%. Elle a passé la journée là à parler de son miroir. Même la musique là, le chant, ça allait plus vite. Comment on peut gagner du charisme à part quand on les voit faire, on se dit vraiment ils ont l'air cons hein, quand même. Alors projet scolaire pour les trois. Super. Ah mon dieu, il y en a une qui est malade. Voilà, voilà, voilà. Magnifique. Il n'y en a pas une qui va bien. C'est super. Super, je suis ravie d'avoir trois meufs en héritière. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a qui pue? Mais fais le ménage si t'es pas contente. Pourquoi elle dit que ça c'est crade? Je sais pas moi. C'est elle qui est malade. Oh, tu me casses les pieds. Va faire ta sieste. Et toi, tu vas aller aux toilettes. Ok, tu vas finir ça parce que ça c'est encore mangeable. C'est des trucs magiques. Et puis... Oh putain, comment elle marche. Oh là là, c'est dur la vie. Ah, oh, c'est vraiment pas juste. Hein. Ok, Ina, des bisous, à bientôt. Tiens, tu vas me prendre une douche tonifiante après, t'iras courir. Elle a fait juste sa cesse pour son rhume, là, je sais pas quoi. Ah, tu commences à avoir faim et aux toilettes, toi. Fais voir où t'en es. Ah, pas... Oh non, mais c'est nul! Le miroir, c'est nul! T'en as pour 10 ans! J'ai perdu un temps précieux, donc tu vas arrêter tout de suite et tu vas aller parler à ta fille. Tu vas lui éliminer sa journée. Et tu vas la flatter. Si on peut faire avec eux. What the fuck? C'est quoi ces bruits hein, dans la rue? Mais le trait de terrain convivial. Ouais, mais je veux pas tricher. Bon, c'est encore le chantier qui font de la merde. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'es colère? Attends, ta mère, elle va te... Elle va t'illuminer, là. Tu vas être... Voilà, complimenter la tenue. Il y a elle, tu vas faire... Complimenter la tenue aussi. Illuminer la journée. Ah bah, lui, il est là. Complimenter la tenue à tout le monde. Comme ça, ça va aller mieux. On va avancer plus vite, hein. On dira rien à la police du challenge Sims 4TKT. Ah, mais moi, je le sais. À la limite, faire dire des... Pour l'éducation, je veux bien, mais... Allez, l'empathie. Responsabilité. Non, mais t'inquiète, elle va faire ses devoirs, ça va revenir.
Alors, elle va faire ses devoirs tout de suite même. Toi, tu vas faire pipi. Hein, ça, c'est là. Pipi comme une championne. Et toi, tu vas te calmer, hein, cocotte. Ah, mais non, c'est vrai, c'est pas les devoirs, c'est... Oh, vas-y, je m'en fous, toi, fais tes devoirs, on s'en fiche. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Tu vas commencer à travailler soigneusement. Parce que c'est comme ça la vie, ouais, tu le sais. Oh oui, Minnie, elle était enceinte. J'avais même pas vu elle avait tapé à la porte. Bon bah, salut, à la prochaine, hein, tant pis, hein. Tom Pix. Oh, regardez-moi ça. Économie d'eau a reçu plus de votes. Oh god. On va plus avoir d'eau pendant un certain temps, c'est ça le délire? Merde. Merde. Salut Nanane, à bientôt. Et tout le monde s'en va. Salut Mamou, comment tu vas? Enfin, re. Brosse les dents de nuage, elle sera confiante. Ça monte vite. Ah. Voilà, elle va bouffer. Elle va retravailler là-dessus. Elle va parler. Et en parlant, elle va redonner des... Voilà. Complimenter, parce qu'elle sait dire que ça de sa vie. Complimenter. Illuminer la journée. Recomplimenter la tenue. Ah, oh, vous imaginez la meuf. Ah, oh, t'es bien habillée. Ah, oh, toi aussi, t'es bien habillée. Ah, oh, merci. Tu sais que t'es bien habillée? Ouais, merci. Ah, mais tu sais que toi aussi, t'es bien habillée. C'est ça. C'est un peu ça. Et flatté. Eh. 7,5. Ça va monter à 7,5. Ça va quand même plus vite. Hein. 3% par interaction. C'est quand même vachement plus rapide. Plus rapide. Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est rapide. Eh, on s'en fout. Une fois que t'as le niveau 8, tu seras tranquille, hein, cocotte. Hein. En attendant. Parce que tu vois, elle est déjà confiante. Mais... Parler un petit peu. Toi, tu vas pas bouffer. Tu sais, il y a des trucs dans le frigo, c'est incroyable ça. Ça m'agace. Oh. Ah, cassé. Bon, la première qui finira, elle ira réparer la machin. Puis là, elle passe par une phase. Mais tu viens, tu pars, tu fais quoi? Tiens, tu vas l'inviter à entrer, tu pourras faire ton charisme sur elle. Voilà, tu pourras illuminer la journée. Et au fait, tu savais que t'étais bien habillée, Minnie? C'est normal, c'est moi qui l'ai habillée. Complimenter la tenue. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est bon, elle est rentrée, en fait. Oh là là, et puis bon, elle est à 10 km. Compétence logique. Ah bah oui, mais... Non, c'est moi, c'était Prune. Je veux dire, si elle prend de l'avance aussi sur sa sœur, pour la compète, ça va pas le faire. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter? Tu vas complimenter la tenue. Éliminer la journée. Oh oui, mais ça va être que ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, paf, pif, pouf. Regarde chacun pour dire la même chose. Oh, t'es bien habillée. Oh, merci. Toi aussi, t'es bien habillée. Oh, merci, ça fait plaisir. Mais toi aussi, hein. On est d'accord que t'es bien habillée aussi, hein, tout va bien. Hein. J'adore ta tenue. Mais toi aussi, t'es super bien habillée. Je sais, je l'ai déjà fait, c'est pas drôle. Ah, putain. Ah. Parce que t'as redit la même chose, c'est ça? Ça passe plus. Ouais, et la relation bonne amie avec les filles, ça va. Bonnes amies. Bonnes amies. Bonne... Ça, c'est nickel. C'est nickel chrome. Charisme 60%. Je crois que à force de dire la même chose, ça passe plus. Tu vas la complimenter sincèrement. Allez, ça change. Et se moquer des goûts musicaux? Non. Discuter des centres d'intérêt. Là, on a marre parce que j'ai fait 15 minutes la même chose. Finalement, ça fonctionne. Hein. Ah, ça passe plus. Bah alors, Nunu! Tant que tu perds pas en charisme, ça me va. Hein. 63%. Voilà, ça va aller mieux, rien.
Tu vas te plaindre du temps nuageux, tu vas frimer montrant tes muscles, et puis tu vas renvoyer en disant « Oh, t'es bien habillé aujourd'hui !» Prends du comté, c'est meilleur. Quel est le rapport? Attendez. Ça va bien, j'ai dû partir, j'ai fait ma valise. Ah bon, tu pars en vacances? Trajet chez moi, j'ai plus de gruyère. Moi, je prends du pana granado. Je vais refaire... Je sais pas si ça va passer, la tenue. On est presque au niveau 8! Demandez la date prévue de l'accouchement. Voilà, on va passer à autre chose. Et puis après, on va... Arrête, nuage. Demandez un petit prêt! Oh! Bah après, on te remboursera pas, mais... Bon, on m'a pas dit qu'on n'avait pas le droit hein, de demander des prêts. Hein. Vas-y, tu vas flatter ta sœur. Mais oui, bien sûr, on a 66 000 de côté, mais tu vas nous donner combien? 500 boules, ça va. Ça va. 73%. Allez, rembourser. Vas-y, on va la rembourser tout de suite. Oh, en fait, c'était juste pour voir si t'allais nous prêter de l'argent, parce que... Au cas où. Si un jour on est dans le besoin, qu'on puisse compter sur toi, sinon... Adonis, comme t'es bien habillée, moi chérie. Qui prends une voix de pet shop pour dire à mon chien Toba, oui, t'as éternué, ça te gratte le nez, oh mon petit bébé. Ouais, je fais pareil. Hein. On est tous un peu comme ça. Hein. Voilà. Tu changes un peu la donne, tu racontes autre chose, et puis après tu reflattes derrière, évidemment. Mais quelle jolie tenue tu as, mon amour. Toi aussi, ma sœur. La meuf qui dit toujours la même chose. Mais oui, mais bon, ça augmente comme ça, les enfants. Et on sera tranquille après. Flatté. Regardez, regardez, on est à 82%. On va le faire, on va le faire. On va le faire. Complimenter. Discuter des derniers jeux. Happy on. Une petite blague, histoire de... Complimenter la tenue. Le premier qui passe, je l'utilise en moi, je m'en fous. Hein. Je crois qu'elle veut partir accoucher là. Non? Puis après, faudra déménager assez rapidement aussi, parce qu'au niveau de la génération prune, faudra habiter dans trois endroits différents. Donc, faudra se concerter. Une fois que l'héritière sera élue. Oh là là, regardez. 89%. Faudra qu'on voit où on va habiter. Et d'un seul coup, vous parlez plus. Parce que c'est un gameplay tellement intéressant, je suis d'accord. Vous êtes. C'est une histoire drôle. Et tu vas recomplimenter la tenue? Regardez, regardez! 91%! On va les faire! Lavande a terminé son projet scolaire. Mais c'est super, Lavande, dis-nous! C'est super, tu vas le mettre dans ton inventaire. Oh, il n'y a plus rien qui va. Et tu vas réparer ça. J'avais dit, la première qui finit. Ah bah, toi, par contre, t'as gagné le droit d'aller manger. C'est comme ça. Plus de choix à ouvrir. Allez, des prout-prout. Non. Ça va, au moins t'as pas à attendre que Lucille passe par la mort de rire. Oui, c'est ça. Parce que bon... Là, j'ai du monde à la maison pour complimenter. Tu vas raconter des ragales. Et une histoire drôle. Et illuminer la journée, je pense qu'on est bien là. 92%. Oh, il nous en reste encore deux interactions à faire. Et on est bien. Tu vas complimenter la tenue. Et à ta fille, tu vas lui dire quelque chose de gentil. Complimenter la tenue, voilà. C'est pas grave, elle a des plaques, hein. c'est pas un souci. 92%. J'ai fait 3 interactions, 3 fois 2. 3 fois 2. 3 fois 3, pardon, 9. Donc c'est bon. Normalement, on est à 101%. Donc niveau 8 est au bout du chemin. Oh, l'arnaque, ça m'a fait monter que d'un. Et ça m'a supprimé des trucs. Ça me dégoûte. Tu me dégoûtes, le jeu. Tu as complimenté l'apparence. Il y a quelqu'un qui est en train de chanter dans le... Ah, c'est Mini, je crois.
Mais c'est pour ça que je voulais faire. C'était... Voilà, animé la journée. 94%. Ah bah, on n'aura pas vu Minnie chanter, c'est pas grave. Complimenter là. Non, j'en ai marre. Mais et tu vas arrêter de bouger dans tous les sens aussi, toi. Ouais, bah, j'y peux rien, ta mère, il faut qu'elle valide son niveau 8 là. Tu vas parler, quoi là, Jacqueline? Ok, c'est bon, elle va pas le faire sur sa fille parce qu'elle veut pas sa fille. Hop, tu vas complimenter la tenue. Regardez, on est un poil de cul à 94%. Mais, ah, oh, mais tu saoules. Va te coucher, tu me casses les noix. Vas-y, dégage. Tu vas envoyer un baiser. Dernière interaction, on est prêt. Complimenter la tenue. Ah non, on va essayer de changer un peu. Tu vas le flatter. Allez, normalement c'est bon. Ah non, on doit encore en faire une autre encore. Mais j'en ai marre, ça ne s'arrête jamais. Complimenter la tenue. Bon bah voilà, ça sera complimenter la tenue. 96%. La tête qu'elle fait. Allez, niveau 8. Il est minuit 45. Mais des fois ça prend 1%, des fois ça en prend 3. Forcément, je vais jamais y arriver. Hein. Oh là là, ça y est. 99. L'arnaque. Émilie, la journée. Allez. Ah, c'est parti. Je vais manger. Bonne soirée, tout le monde. Ça m'a fait plaisir de retourner sur tes lives, Shirley. Ces derniers temps, j'avais pas trop de temps. Gros bisous à tous. Agent 21, ouais. Boule. On est niveau 8 de charisme. On y est, on y est, on y est. Ça, c'est bon. Merci, Tatou. Des bisous. À bientôt. Bon appétit. Bon appétit. Toi, tu manges et puis... ah bah, t'iras t'amuser, t'iras pisser. Maman, va pisser. Va dormir, plutôt. Oh là là, je sais plus. Et lui, là, il mange pas? Bah non, il a une salade de fruits buggés. Allez, tais-toi. Je suis d'une violence. Ouais, bah, il veut pas manger. Mange l'haricot saucisse. Ah, je vous jure, ils sont complexes hein, à gérer. Elle, je lui ai demandé de s'amuser. Elle a été 3 secondes et demie. Et puis finalement, non. Vas-y, va, rejoins la partie de frénésie de fête, sachant que toi, je t'avais pas demandé de... Non, bah, tu vas jouer avec ta sœur. Ça, c'est fait. Ce profil prune. Beauté. Beauté fatale. Non, mais c'est une blague! Bouffonne, elle arrête de jouer au moment où sa sœur elle se pointe. Vas-y, ça m'énerve. Je m'en fous, tu regardes la télé. Allez, hop. Toi, tu me saoules, tu vas aller courir. Allez. Va courir. Parce que comme elle est pas fatiguée, même si je l'envoie coucher maintenant, ça sert à rien. Lui, il va se coucher. Voilà. Lila, elle est partie se coucher. Elle se détend. Je comprends pas quoi, il y a une telle différence d'énergie. J'ai pas suivi. Je sais qu'elle a dormi un moment, mais... Leur bouffe gêne revient toujours pas. Elles doivent avoir tellement mal au dos. Elles sont jeunes, elles ont toute la force de l'âge. Les boobs, ils vont partir un petit peu. La prune... Bon, elle a perdu, mais elle a toujours des boobs. Hein. J'avoue que les boobs, ils boobs, hein. Qu'est-ce que c'est ça qui pue comme ça? Bah madame... Elle est plutôt pas mal comme demoiselle, hein. Bon, elle pue. C'est un problème. C'est un problème certain. Non, tu peux rentrer, tu peux aller à la douche et puis tu iras te pioter. On s'en fout à quelle heure il est. Hein. Se coucher à 4h du matin. C'est bon, bah toi aussi. Va au lit. Allez, go. Lastico. Non, 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 non. Dormir. Pas la sieste. Elle est mignonne cette robe. Jamais pas assez. Voilà, c'est la vente qui a récolté la petite robe. Dodo. Voilà. Eh ben, alors qui c'est qui a cassé quoi? C'est en dessous? Ouais, c'est la douche qui est cassée. D'accord.
cours de prune, les cours de lavande, les cours de lila, la 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 la. Tu peux, s'il te plaît, dans ce cas-là, faire à manger. Ouais, des toasts avec un œuf. Ne fous pas le feu, s'il te plaît. Sinon, je te démonte. Oh, bah, elle. Oh, Lila, ça va. Lila, ça ne va pas. Tu vas aller faire pipi. Et tu viens regarder la télé. Ouais, elle a l'air d'être bonne humeur aussi. Elle va manger. Tu trouves qu'il y a un truc à bouffer? Ils vont se servir. Oui, je pensais que c'était un plat qui traînait encore comme ça, mais. Arrête de te plaindre. On dirait des triplettes, hein, vu qu'elles ont la même couleur, c'est assez rigolo. Ça me fait pareil avec la gênée grise. Vous savez, vous savez plus quoi dire en fait. Il y a plus personne qui parle. C'est. D'accord. Elle a pris une assiette pour finalement pas manger. On est. C'est trop bien. Bravo, super. Ça, ils ont une bonne note. Ouais, non, mais vas-y. Finis ça et puis tu vas à l'école. Hein. Pas grave, tu mangeras pas. C'est comme ça. Oh, jolie petite robe. Je vais mettre ça parce qu'au cas où. Adonis. Non, pas ça. Ça, tu le laisses. Hop, tu vas manger ça. Ta fille, elle l'a fait exprès. Elle. Elle dort, elle est très bien. Bon, tu vas te lever. Tac, tac. Aujourd'hui, c'est promotion, hein, Nunu. Hein? Niveau 10? Ok, super. Tu me fais plaisir. Je lui dis d'aller à la douche, elle y va pas. Évidemment. Pour m'emmerder. Ça, ça marche toujours. Ah bah tiens, allez. Grosse dégueulasse. Ouais, au bout. Ah là là! Après, elle travaille à 15h. Mais... on a le temps. Maintenant, on a tout. Hein, tout est vert. Hein, donc, c'est soit elle l'a aujourd'hui, soit elle a sa promo demain. On va diminuer le contrôle des émotions. Elle a reçu un lapin d'excellence. Mais quelle chance! Oh, incroyable! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un lapin d'excellence. Mais je préfère les chats. C'est dommage. Oh, j'avais pas vu. Bah, mec, t'es en retard, en fait. Vas-y. Ah, puis alors, je m'assois pour me lever, pour aller ailleurs, pour qu'il mette 10 ans. Oh, est-ce que ça m'a... Allez mon petit, tu vas travailler dur. Par contre lui, je sais plus s'il a... Non, il a toujours pas le niveau 6 en robotique. Oh, il y est pas loin. Il y est pas loin. Donc, peut-être que... Ah, voilà, elle se remonte les besoins. Comme ça, elle sera nickel. Salut Churi, comment tu vas? Ça sera nickel. Elle ne pourra que avoir une promotion. Ce sera évident, ce sera obligatoire. Pas aujourd'hui, mais sûrement demain. Parce qu'elle est encore un peu basse dans la flèche. Donc Mince, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ils ont tout coupé. Payer facture. Parce que maintenant, il faut 24 heures. Hein. Ils attendent plus 48 heures. Ils coupent dans les 24 heures. C'est un peu violent, mais bon. Tu peux regarder, du coup. Ça va bien, Jory. Je suis à fond avec avec Nunu pour qu'elle puisse valider son niveau 10 au travail, vu que c'est la seule chose qui reste. En attendant que les filles, j'essaye de leur faire rencontrer Patrick. Mm-hmm. Et Jeanne, ça va pas être comme dans le Legacy. Hein. Là, Berk, hein. Là, Jeanne, elle a pas l'air belle. Donc, on va s'en abstenir. C'est bon? Oh, elle pense à Pulcote! Oh, elle est trop mignonne.
Tu travailles à 15h. Glaborza. Tu peux te motiver. Et avant de rentrer, Philippe. Philippe, Patrick, dis donc, des prénoms au top de la mode. Approu? Tu pourrais chanter, tiens, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu chanter. En attendant de tuer le temps avant qu'elle aille au boulot, hein. Ah bah d'accord. Elle est Energizer. Puis comme ça vous réveillera peut-être. Quick, quick, but they depend on the violin. J'ai quelqu'un qui l'appelait au téléphone. Wow, wow, wow! Je connais tout, hein. Vous êtes tous morts? Mon truc, il a bugué ou quoi? Y a plus personne! Bon, bah, je vais partir alors. Parce qu'il y a plus personne sur le live, je m'en vais. Bonne nuit? Oh non! Oh non, mais t'es chier. Va faire une sieste parce que là, elle est. Je sais pas quoi, là. Elle a le tournicotis, tournicoton. Bon, elle a rien dans ses trucs, mais. Je veux pas qu'elle s'en sente pas bien, donc, dodo. Voilà, elle a des plaques et tout, là. Ah oui, va inviter Yann et Jonathan, tout à fait. Va boulot, là. Elle s'en est parmi, elle est malade. Ah, ça m'énerve. Là, par contre, les motiles est là, tu vois. Ah, oh, bah, elle aussi. Bah, maintenant, elle a les tourbillons. Alors. On va procéder par étapes. Ah, bah Yann, c'est le cousin, bien sûr. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais. Ah, Windenburg, j'adore cette ville. Mais regardez. On a ça, là. Donc, du coup, bah, la caméra, elle veut pas. Et ça, c'est le mec de Prune, en fait. Ah oui. Eh ben, oui. Tu vas te divertir avec lui, moi, je te le dis, hein. Ça va être simple. Hein. Salut Yann. Oh, tu peux rentrer si tu veux. Reconnaissance. Tu vas y réparer, tiens. Oh, tu casses. Vas-y, fais une sieste, tu me saoules. Ça t'aura pu tes zigouigouis, là. Nunu. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Nunu, la meilleure. Elle va lécher les bottes du patron. Arrête d'être tendu avec lui! Illumine sa journée! Je vais manger, je regarde de loin. Flirte un peu avec lui! On avait dit qu'on les casera ensemble, ça va! Elle part pas au champ, il est pas mal, hein. Je vais limite regretter de le caser avec elle. Hein. Non, on est là! Ok, salut Aniri, des bisous! Ouais, vous êtes super calme! Hein. Trop même! Arrêtez de vouloir faire à bouffer. Je vous jure, des fois, il y a vraiment des jours. Tu peux manger ta post-porto de Primavera et regarder le film. Alors, on va devenir grand frère. On est content. Du coup, elle a... Bah, elle va faire ses devoirs, d'accord. Et toi, tu es blasé, tu ré... Ouais. Ah. Ok. Tu iras aux toilettes après, alors? Je pense que elle doit aller aux toilettes de ouf. Mais voilà. Je vais m'asseoir, mais au final, je vais pas m'asseoir en bon endroit. Puis je dois pisser, donc je mange pas pendant ce temps-là. Pas grave, tu te pisses dessus. C'est pas souci, ça. Arrête de chouiner, cocotte. C'est pas grave. Ah là 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 là, mes pauvres. Alors, elle aussi à la fin. Ah, voilà, là ça va vous faire parler un petit peu.
Est-ce qu'on fait des heures sup ou on s'occupe d'une tâche secondaire? À vous les studios dans le chat. Armez-vous de vos petits doigts et de votre clavier. Et on dit heures sup ou vous occupez la tâche secondaire. Vous êtes très 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 calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que vous êtes calme comme ça? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Heures sup deux fois. Compte. La tâche secondaire une fois. Les heures sup deux fois. Il n'y a que trois personnes réveillées. Quatre. Tâche secondaire. Nous sommes à égalité parfaite. Est-ce que quelqu'un veut bien se réveiller? Le dormeur doit se réveiller. Franchement, pour connaître ça, il faut être vieux comme moi. Tout le monde roupille. Mais oui, c'est ça, c'est tâche secondaire 3. C'est pour ça, là, j'essaye de motiver les gens. Je sais pas, il s'est passé un truc, tout le monde dort. Écoutez, s'il faut, moi, je fais plus, je sais pas. Je fais ça le matin, les lives, non? Midi? Je sais pas. On essaye de trouver un truc. Alors, heure sup, tâche secondaire, on est encore une fois à égalité. Si j'ai pas dit de bêtises, heure sup, heure sup. Non, on est heure sup qui gagne. Ah, voilà, ça se réveille, ça fait plaisir. On est sur heure sup, on est parti pour l'heure sup. Je dors pas, mais je te regarde jouer. Bah, j'espère. Comme tu veux. Non, mais ça fait plaisir de voir que vous êtes là quand même, parce que je sais pas. Ça me fait. Moi, je. Quand je vois que le chat il parle plus, ça me pose des questions. Je me dis, bah, c'est pas intéressant ce que je fais, ils s'en foutent. On sait pas, hein. Nous, derrière notre écran, on joue, on est à fond, mais. Regarde là comme elle est entourée de beaux mecs. T'es trop belle pour les deux là. Oui, je sais, lui c'est ton cousin donc tu pourrais rien faire, mais. Mais quand même. J'ai pas regardé du coup. Pas avoir. Pour l'instant elle bouge pas. Hein. Ça bouge pas trop. Tu vas travailler dur. Bonne chanteuse de karaoké. Je vous jure hein, que franchement, il y a des jours où j'ai envie de les tuer. Et heureusement qu'elle est réactive parce que ce genre de jour-là où elle fait tout fond, tout cramer. Et elle danse. T'es logique, tiens, cocotte. Mais t'as arrêté! Si vous arrêtiez déjà de faire à bouffer alors toutes les 2 minutes, alors qu'il y a toujours de la bouffe dans le frigo, déjà, on s'en sortirait mieux. Cet agent Claude, alors lui, Jean-Claude du 42, il avait besoin d'aller chercher dans le frigo, donc forcément pendant 1 heure, t'as pas le droit d'y toucher. Mais il est celui qui va faire à bouffer maintenant, mais quoi? Mais tu te crois où, mec? Crache dans ton truc, tu verras. Tu vas manger ça? Oh, et toi, tu me saoules, mais aussi d'une force, hein, cocotte. J'attends que la première, elle va se servir. Ok, c'est bon, tu pourras aller te servir. Toi, ça va mieux, t'as pas fini ton plat, quoi, je crois. Hein. Je sais pas. En tout cas, tu vas y danser. Puis si tu veux danser, tu danses. Hein. Elle aussi, elle est blasée parce qu'il faut qu'elle danse. Moi, ces gens-là. La danse de l'incendie, c'est ça. T'es sûr que c'était tes devoirs, ça? Oh, je suis pas sûre. Mais non, Mini, on est au boulot, là. Le harcèlement, elle connaît, hein. C'est une stalkeuse harceleuse, Mini. Un petit peu quand même. On s'en fout pas. Il faut tant que j'enlève le plein écran et accéder au chat. Ah oui, d'accord. Ah, je suis en plein écran, hein. Ça pardonne pas. Hein. Des fois, je cause pas parce que je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, mais je te regarde silencieusement. D'accord. Je pâtisse en compagnie. Ah, tu fais quoi? Béatrice, tu fais quoi? Tu fais un pain? Une brioche? Un gâteau? À quel niveau de cuisine la pyromane? Bah, attendez, c'était laquelle? C'était elle?
Mais non. Je clique sur la fille, elle me demande n'importe quoi. Cuisine 2. En plus, c'est même pas un niveau trop nul, tu vois, c'est... Oh là là. Et tout allait danser. Danser, pardon. Un russe? C'est quoi ça, un russe? Et re Lydie. Elle crame la gazinière, ensuite elle danse. Ou la danse du feu, c'est ça, la danse de j'ai éteint le truc. Je me la pète, j'ai éteint un incendie. Ah là 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 là. Arrêtez de faire la gueule, bon sang. C'est incroyable, cette histoire. T'as trouvé le chemin du retour, toi? Papa, va, tu sais, tu, je te dis d'aller me chercher à manger. Lui, il va se servir. Lui, il a compris qu'il fallait dans le frigo. Mais c'est bon, fais pas le ménage. Oh là là, quelle perte de temps. Oh, les boobsies. Regardez-moi ça, il pointe bien, hein, laisse tomber. Hein. Ah ouais, ça y est, elle est zébrée, celle-ci. Elle danse avec sa vaisselle. Mais c'est n'importe quoi. Ah ouais, j'aime bien cette musique. Voilà, j'ai un verre d'eau rempli, mais elle danse avec sa vaisselle sale, quoi. Ah, on ne votera pas pour le notre soubéry. Vous ne voterez pas. Ça a été suggéré qu'on fasse une compétition d'échecs et de logique. D'ailleurs, je ne l'ai plus, ma table d'échecs. Est-ce que, moi, pourquoi on l'a virée? Ah non, elle est là. Entre les jumelles. Donc on fera ça la semaine prochaine. C'est pour le Legacy que vous allez voter. Et ça, c'est ce week-end. Gâteau avec crème, beurre praliné. Ah, je connais pas du tout. Mais j'avoue, c'est vrai que ça donne envie. Un petit peu comme ça, là. Miam, miam. C'est chaud, hein. C'est pas aujourd'hui qu'elle aura ça. Oh, putain. Ils ont aussi un problème de torture. En fait, ça commence à me gaver, les Sims, en fait. Non. Entre la bouffe, il y a toujours un problème. Les ordures, il y a toujours un problème. Ils sont toujours en train de se plaindre de pas faire ce que je demande. On va faire une pause Sims, hein, là. Ça va plus aller, hein. Je vais jouer à autre chose, moi. Là, ils ont tendance à me casser les pieds, hein. Wow, why do we do some more? Wow. Oh là là. Ah, par rapport à nuage, meurs de chaud. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais mourir immédiatement tout de suite. Tu es fou, toi! Tu es fou! Et 1452 Nunu! Oh putain, mais ils sont tous malades aujourd'hui, ça m'énerve! Ah, oh, j'ai envie de les tarter quand j'entends, quand je vois ça. Ah! Laisse son truc tranquille! J'ai envie de les tarter à la crème. On a toujours la portion de fruits qui est buggée, tout va bien. Oui, t'es que sa vaisselle. C'est n'importe quoi! Merci Divine Mender pour le follow, bienvenue à toi! Salut Rocky, salut Lolusa, comment vous allez bien? Ah oui, je m'en mets les pinceaux, non t'inquiète. Un peu comme le Paris-Brest, mais avec de la pâte à choux. Oh, Paris-Brest, je suis même pas sûre de savoir ce que c'est. Comment elle danse? C'est bon? Ah, hystérique maintenant, allez! Bah oui, hein, tant, quand elle me casser les pieds, on y va à fond, hein. Et elle est où? Ah d'accord, elle s'est tapée un bain, elle dit non, mais moi... Moi, je préfère les bains. Tu vas aller aux toilettes et tu vas aller faire tes devoirs après. Oh putain. Mais pourquoi il n'y a jamais les devoirs? Qu'est-ce qu'elles ont foutu de leurs devoirs? Toi, c'était pas les tiens. C'était celui de ta sœur. Allez, hop là, tac, tac. Ouais, fais tes devoirs parce que tu voulais les faire, tu les fais. Mais et toi?
J'en ai marre de cliquer 15 000 fois la même chose pour qu'il le fasse. C'est légèrement chiant, en fait. Elle va manger. Non, tu vas pas cuisiner. Oh, purée. Et lui avec son verre d'eau. Oh, mais merde, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces parties-là? C'est insupportable en ce moment. Ouais, je lui ai donné à elle dans son inventaire. Les relous. Oh, ils sont tous à table, c'est tellement rare. Ah bah non, il faut que lui se barre, tiens. Il se dit, non, moi, j'avais pissé. Ah la vache. Elle a les zébrés, elle a les tourbillons. Tout va bien. Merci, Nmaïsan, piou-piou, pour ton follow. Bienvenue à toi. J'adore les... Merci beaucoup, Lolouza, c'est gentil. Mes oreilles, merci de cacher sa voix, Charlie, il me tue. Tant que c'est pas la mienne qui te défonce les oreilles. Un petit peu quand même, tu peux le dire, mais bon. C'est pour une occasion spéciale, t'as juste... Ah oui. Je suis nouvelle. Comment vous allez? Bah écoute, ça va bien, Maïsan. Tu peux remettre l'autonomie... Tu peux mettre l'autonomie désactivée dans les réglages. Mais je le ferai pas, Lolouza. Parce que j'aime bien. Parce qu'en fait, si tu vois, les Sims, ils sont là comme ça, et puis ils bougent plus. Bah, je trouve ça pas intéressant, en fait. Parce que, autant ils me cassent les pieds, des fois, comme là, en ce moment, parce qu'en fait, c'est plus des bugs, parce que tu leur demandes de faire un truc, ils le font pas, et ça m'agace. Mais le reste du temps, ils me font des trucs rigolos, donc c'est ce que j'aime bien. Comme tout à l'heure, il s'est mis à chanter de lui-même, tu vois, ça m'a fait marrer. Je n'enlèverai jamais l'autonomie dans Dead Challenge. Je trouve que ça enlève tout ce qui est drôle, en fait. Sinon, c'est nul. Enfin, tu vois. Tu mets un Sim dans un coin toute la journée, puis il va... Oh là. Bah non, c'est pas très... Pas très... Bon, c'est pas très... Oh là là, là, les tourbillons. Va faire une sieste. Ok, 23h. Ça sert à rien qu'elle fasse une sieste. Non, mais je... Qu'est-ce que tu veux faire? Parle de sport à ton mec. Tu vas proposer un plan fou. Je sais que ça sert à rien. Tu vas frimer en montrant tes muscles. S'entraîner à se battre. Non, 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 quand même. Discuter de son groupe préféré. Ah bon, ils vont parler un peu, quoi. Ça sert à rien que je fasse du charisme. On est arrivé là où je voulais aller, donc... Raconter une histoire incroyable. Ça l'occupe un peu. Elle a 10 jours de vacances dispo quand même. C'est vrai que bah, avec ce challenge, on n'a pas le temps parce que on les fait toujours bosser. C'est bon? Et toi, t'es en forme? Allez, tu vas aller courir. Ah! Ah! Faut pas perdre de vue le sport, les cocottes. Hein. Donc, vous aurez fini vos devoirs aussi, bon. Elle a fini. T'arrêtes d'être agressif, prune. C'est bon, elle a arrêté le feu, là. C'est bon, là, elle ira manger. C'est bon. Ça, c'est réglé. Comment va Nunu? Bah, d'un seul coup, elle turbine plus. Non, elle a parlé musique. Et prune est de nouveau responsable, mais je n'en doutais point. Vénère. Comment elle regarde sa sœur? Ça fait peur. Ça fait peur. Je bug. Ah zut. J'aime trop les actions spontanées. Mais carrément. C'est quoi le but de ce challenge? J'ai jamais compris. Tout simplement, c'est comme un legacy. C'est sur 10 générations. Sauf que tu as à chaque génération une couleur, des traits, une aspiration, une carrière et des objectifs précis. Par exemple, tu commences avec un Sims de couleur menthe. Donc, tu as des traits qui sont de couleur menthe, donc ils sont verts. Tu vois, t'as du vert dans les traits. L'aspiration et la carrière sont déjà définies aussi dans les objectifs. Après, tu feras le nombre d'enfants que tu veux. Mais la génération d'après sera la couleur rouge, avec certaines choses à faire. Il faudra aussi les faire. Niveau 10 de la carrière, l'aspiration à faire, certains niveaux de compétences à maîtriser jusqu'à 10 et tout. Et là, ben, je suis à la grise qui est bientôt finie. Ah ben d'accord, elle est partie faire du sport aussi. Et la prune, donc violette, qui elle... Oula.
qui commence. Disons qu'on ne sait pas encore laquelle des jumelles, les deux dernières, sera la future pondeuse, quoi. Non, tu vas rien demander. Allez. Oh là là, tu iras te coucher après. Elle est partie dormir, elle. Elle a pété comme une grosse dégueulasse. Va courir du coup. J'adore les envies courir. Et puis tu reviendras, tu pourras aller dormir. Oui, je sais, il est 1h20 du matin dans le jeu, je le sais, j'ai bien conscience. Mais je veux terminer ce live avec le niveau 10 pour Nunu parce que je ne. Voilà. On est à un poil de cul. Hein. Ah, tu fais un soirée de départ à la retraite d'un collègue. Oh, c'est sympa, franchement, t'es trop mignonne. Bisous, 4 quarts, et bonne soirée à toi. Il me reste combien de générations? Je suis encore au début, je suis à la génération 4. J'ai fait la menthe, la rouge, la jaune, et là, je suis à la grise. Donc, je suis à la 4, et la violette, c'est la 5. Donc, je suis à la moitié. Voilà. Dit comme ça, ça va faire un an que j'ai commencé. Dit comme ça, on va pas vite, mais je fais un live par semaine maintenant. Avant, j'en faisais deux, mais ça faisait beaucoup pour les gens à rattraper. Maintenant, j'en fais qu'un, et ça va. Bon, il n'y a pas non plus beaucoup de monde qui regarde, hein, donc. Mais oui, tu pues. Allez, va te coucher. Toi aussi. Non, mais va te coucher. Allez, tout le monde au lit. Tout le monde au lit. C'est parti. Nunu, pareil, hein. Ah, voilà, fini. Tu iras dormir. Ouais. Nunu, elle a un physique. OMG, hein. Tout le monde dort. Ah, la cololo. Voilà, allez. Il nous reste juste une journée à faire pour Nuage. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle aura sa promotion là. Comme ça au moins ce sera fait. Et la semaine prochaine, on sera entièrement sur la génération violette. Et ça, c'est super cool. C'est-à-dire qu'on pourra commencer, on sera à fond dessus quoi, tout de suite. Je pense qu'après mon 100 babies ou mon decade, tu m'as fait découvrir et donner envie de faire... Ah, ça fait plaisir. Ah non, le 100 bébé, moi je le ferai pas. Je suis la génération jaune-grise en cours. Ah, c'est bien ça. Si je pense, je mettrai la photo sur le Discord. Ah oui, avec plaisir, Béatrice. Faire ton beau gâteau, là. Comme ça, je saurai à quoi ça ressemble. Et si je viens chez toi comme une petite souris pour le voler. J'aime trop être en petite communauté. On a l'impression d'être plus proche du streamer. Tout va nous faire baver dans le... Voilà, petite communauté, oui. Non, mais ça, après, j'essaye de vous lire tant que je peux. Mais c'est vrai que des fois, je peux pas tout... Qu'est-ce qu'elle a? Juste elle pue en fait. Et t'as dormi? Mais t'as pas dormi? Non, tu retournes au lit. Que tu te prends? Un minimum, non? Tu t'en fous de puer? Bon, t'étais déjà moche, à quoi ça changerait? La 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 la, je suis une vache. Je suis une vache, peau de vache. Toi, tu vas aller pisser. Tu vas manger? Bravo! Elle va se servir de je sais pas quoi. Et toi, t'as juste faim. Allez, va manger tout de suite. C'était les fruits. Oh, tu te calmes! Mais pourquoi vous êtes stressé avec l'incendie alors qu'il a même pas eu le temps d'avoir lieu? Oh non, mais c'est bon là, d'aller au lycée. Ils ont le temps de rien. Et ils descendent l'escalier, ça y est, c'est déjà l'école. Deuxième bouchée, va à la douche. Ah bah d'accord, elles ont même pas fait ce que je leur ai demandé, c'est pas grave, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ah. Voilà. C'est n'importe quoi. Ça va, Adonis? Ouais. Ouais, je comprends. Des fish and chips au réveil, c'est peut-être un peu chelou aussi, tu sais... Nunus, aujourd'hui, on te finit avec toi. Ah, du moins, j'espère. Les miochons à la chaîne, c'est pas pour toi. Ah, les miochons, j'ai jamais... Je connaissais pas ce terme, les miochons, mais non, c'est ça. C'est non.
J'ai pas compris comment ça marche ton jeu de génération jaune-vert. C'est ce que je viens de dire, Rocky, c'est imposé, c'est comme ça. C'est comme si tu te disais, tu commençais une partie avec un sim, tu dis, bah tiens, lui, j'ai envie d'aller au bout. Ah oui, il n'y a plus d'eau. Super, elle doit se laver en plus. Comment ça, reçu une amende au commandant d'économie d'eau? Trop d'eau était consommée cette semaine. Non mais. Mais c'est quoi ces votes de mes fesses là? Qu'est-ce que c'est que ces votes de mes fesses là? Oh la vache, on va reprendre une. Bon après on est riche, hein, mais. Ça commence à bien faire cette histoire. Non, c'est pas ça. Économie d'eau, fais voir. Pour la taille de votre foyer, celle devenue, vous conseillez de PA, vous recevrez une amende quotidienne de vos journées. Admettons-le, l'eau est devenue une ressource plus rare et précieuse qu'auparavant, ça c'est sûr. Comment pouvons-nous le contribuer à économiser? Nous croyons en l'association. Une journée aux coupures d'eau hebdomadaires, un effort élevé en moins d'eau. Oh l'enfer. Mais je me souviens pas, moi qui avais ça, j'ai pas voté pour. Hein. Mais elle doit se laver! Elle va aller au boulot, elle va puer la mort! Pourquoi il pleut pas dehors là d'ailleurs? Pourquoi il pleut pas? Pourquoi j'ai pas de chance? Va aux toilettes? Tu peux pas tirer la chasse, mais c'est pas grave. Tu peux pas te laver avec l'eau des toilettes? Elle est encore malade! Non mais c'est une blague! Ah oui, mais si vous voulez les règles, je vous les donne, hein, je les ai là. Hein. Les règles du challenge, c'est ça. Donc je disais oui, tu commences une partie, tu dis bah tiens, avec ce Sims-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire aller jusqu'à niveau 10 pour ça, je prends une carrière et j'y vais à fond. Je fais toute la carrière à fond et en même temps je fais son aspiration. Bah en fait c'est ça. Sauf que dans le Note Sauberry, c'est imposé. On te dit bah écoute. C'est comme ça, tu vas prendre ton premier sim, il aura tel trait, il aura telle aspiration, il devra faire telle carrière, et puis voilà. Et tu dois le faire. Parce que c'est ça un challenge, sinon ça c'est. Si tu fais un challenge sans faire le challenge, bon, c'est pas très intéressant. Nous avons changé de femme de ménage, c'est maintenant un homme qui s'appelle Arthur. Arthur, cuillère. Lavage à l'ancienne au lavabo. Bah non, il y a coupure d'eau. Donc il y a zéro. Faire des commandes. Ouais, c'est vrai, faut que je les fasse. On a rencontré Maxime d'ailleurs. C'est bon, elles sont toutes en train de. Non, pas toi. Toi, tu as travaillé dur. Tu peux aller bosser aussi, non, Arthur? Couillère? Punaise, faut qu'elle se lave. Elle a accouché, Minnie. Minnie a accouché. On avait regardé, je crois, ce que c'était, non? Je sais plus. On avait regardé la semaine dernière, je crois. Donc ça, c'est nos trois filles. Voilà. Donc nous, on a commencé avec Pepper, qui était la génération menthe. Ensuite, avec Bordeaux, la génération rouge. Pulcote, la génération jaune. Et on est avec Nuage, avec la génération grise. Prochainement, ce sera ça. Donc elle a accouché d'un petit Clément. Super. Et Perle a toujours pas d'autre enfant. En même temps, elle a vu le résultat de la première, elle a dit moi j'en fais pas deuxième, elle a vu le machin. Elle a eu peur quand le machin est quand sa fille est sortie, elle a fait On aime les pubs pour Amazon Prime qui te gueule grave dans les oreilles. Ah désolé. Ça je peux rien, c'est comme ça. Oh, Charlotte! Charlotte, tu es belle, hotte! Quand on veut, on peut! On va se débrouiller tout seul. Gain de performance petit. Il faut qu'elle se lave. Faudrait que j'ai des chutes d'eau en bouteille, mais je sais pas si on peut les acheter sur internet. Ah, c'est vrai que l'ordinateur, ça bug. Alors. Commander. Des colorants, des graines d'ail, des rongeurs, des graines, des feux d'artifice, des médicaments, des cadeaux, plus de choix. Pièces d'amélioration, papier de surprise, des livres, des cristaux, plus de choix. Des cadeaux? On peut pas avoir une des chutes d'eau en bouteille comme dans la jungle?
Parce qu'il faut qu'elle se lave. Sinon, elle va pas être bien et puis on va louper le... C'est pas vrai, putain. Quel enfer. Quel enfer. De toute façon, j'ai pas de lavabo dans la maison. Non, tu vas pas faire de sport, non. Et tu vas puer encore plus, ça va, oui. Ah ouais, vas-y, elle largue des caisses, cette grosse dégueulasse. Mais c'est qui celui-là encore? On se fait un cluet d'après. Peut-être. Si vous êtes motivé, si vous n'êtes pas mort, parce que depuis tout à l'heure, ça se demandait. Hein. Ça me ferait flipper un homme de ménage qui reste debout à me regarder manger, j'avoue. Oui, c'est ça, il attend l'assiette, tu sais, genre... vous avez fini? Vous avez fini? C'est genre... Oh, mais... Genre, il t'enlève la fourchette que t'as dans la bouche, tu sais. Oh putain, elle va puer. Oh, ça me dégoûte. J'en ai marre de ce jeu. Ça va, on est à moins 20. Je pensais que si on achète maintenant un truc d'eau, là... Ça sert à rien, elle pourra pas se laver. Hein. Je vais en prendre, parce que sinon, ça... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ils ont pas été dans la jungle, donc ils auront pas de chute d'eau. Ah oui, c'est vrai, on avait gagné ça. Tapis d'exercice. Trophée star, débloqué au niveau 8 de la carrière athlète. Ça, c'est Nunu, ça. C'est Nunu. Qu'est-ce que c'est que ça? Débloqué aussi un ascendant au niveau 9 de la carrière astronaute. Ah oui, d'accord. Oh, on a un beau bureau. La carrière éducation. Divertissement 10, ça fait le rôle en physiologie. Mais j'ai... Niveau 10 de la carrière... Ah putain, je savais pas, faudrait qu'on essaye. Je vais pas tout vendre, hein. Mais c'est tous les trucs qu'on a eu en cadeau avec la... avec les carrières. La douche de décontamination. Vous croyez qu'on peut l'utiliser? On va la mettre. C'est quoi les trucs... ça se trouve où? Ah, c'est dans son réseau. Hors réseau, pas sans réseau. Bon, Edge of, y'a personne qui va rester. Oh putain, j'ai mon jeu qui plante. Je vais voir. Non, mais c'est là! Oh là là, j'en ai marre de moi aussi, là. Hors réseau. Ça. Voilà. On va aligner. Je suis pas sûre que ça aide quoi que ce soit, hein, mais bon. Et là? Oh putain, elle peut pas le prendre. Elle peut pas! La fameuse douche qu'on avait à machin. À Strangerville! Oh là là, elle va pas pouvoir y se laver, ça va être une catastrophe. Ma mort, ça reste dans le thème du Cluedo. On verra qui a tué les viveurs. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, j'avoue. En tout cas, il a sourire, Arthur. Ouais, ça c'est. Puis là, il reste devant la poubelle. Pourquoi la poubelle, elle déborde là maintenant? Pourquoi ils ont. Mais qu'est-ce qui se passe avec les poubelles? Voilà, 98 Simflouz. Est-ce qu'il a vraiment tout enlevé, tout fait le ménage? Alors, je vais bouger le coin de place parce que y a personne qui s'assoit là du coup. Mais non, on va pas faire de sport! Oh putain, elle va me tuer là. Qu'est-ce qui pourrait faire remonter l'hygiène? Rien du tout. Non, pas s'entraîner à chanter, mais non. Pourquoi je clique n'importe comment? Et puis, vas-y, qu'elle va encore pas bien. Oh, tu me casses les noix. J'en ai marre. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Ils sont tous malades tout le temps. Ils font pas ce que je demande. C'est la galère. Là, c'est la galère. Oh, c'est bon, Mini. Hein. Tu me casses les bombes. Vous jouez comment au Cluedo? Bah, je joue au Cluedo... Enfin, comment dire?
Mais non, mais ouais, y a un souci avec les poubelles à force, j'ai l'impression. Bah voilà, elle pue, non mais... Ça me dégoûte. Mais elle aura pas sa promotion, on va encore perdre du temps, là, ça me saoule. Pareil, Banner, c'est mon préf, celui-là, de la jungle. Je crois qu'on a tous un article fétiche qu'on met toujours dans nos maisons. Je mets pas toujours celui-là, parce qu'il faut avoir de la place. Dans une chambre et tout, mais... J'avoue, c'est le plus beau, quoi. Il est vraiment canon. Regarde ça, elle pue sa mère, quoi. Elle va y aller, elle va puer. En même temps, du sport, elle pue. Ce serait pas étonnant. Oui, bah, on y peut rien, nous. Merde. Non, c'est sympa 5 minutes quand t'en as un qui est malade, mais quand ils sont tout le temps, pendant 2 heures, où ils se plaignent tous parce qu'ils sont tous malades, là ça commence sérieusement à me péter les noix. Je sais, j'ai déjà dit péter les noix, mais là, c'est bon quoi. J'en ai marre de cette série là. Tu peux mettre une piscine, je crois que ça monte un peu l'hygiène. Bah, il fallait le dire avant, hein, c'est trop tard, elle est partie au boulot. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais voilà, maintenant elle va se plaindre qu'elle pue et elle aura pas sa promotion aujourd'hui, quoi. C'est moi ou t'as vachement perdu, Lila? D'un seul coup, je trouve qu'elle a perdu du poids. Oh la vache. D'accord, c'était sympa, Mini. Ciao. La meuf, elle a même pas fini de... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous arrêtez pas de vous plaindre. On est quoi? On est mercredi? Dans le jeu, évidemment. Mini, je t'aime, mais s'il te plaît, ta gueule. Oh, cette violence. Cette violence incroyable. Oh là là, je vous jure, il y en a des émotions là. Et elle tourne, et l'hôtel râle, et l'hôtel est ici, et l'hôtel est là, et l'hôtel pue. L'enfer. Bon bah elle aura pas sa promotion. Tout ça pour ça. On dirait qu'il y a moi qui sont sous la douche. C'est vrai? C'est quoi ce concert? On va se voir tranquillou. C'est ça? Non mais au moins elle nous a épargné la fin, tu vois. C'est pas grave, Super Nanny. C'est au moins, on a moins souffert pendant ça. C'est déjà ça. Allez. À chaque fois, je clique, c'est changer de tenue. Et hop. Non, tu vas pas faire de sport non plus, non. Elle a perdu, hein. Elle a perdu. Ouais, trop mal à l'aise. Et puis finalement, ça va mieux. Ah ouais, elle a bien perdu, hein. C'est bien. Non, c'est moi qui l'ai... C'est vrai qu'il lui a demandé de faire du sport, mais au final... Il fait chaud et tout, là. L'hôtel court avec son assiette. C'est logique. Et pendant ce temps-là, Nuage n'aura pas sa promotion. Tout ça pour ça. À cause des plans d'action de quartier de mes fesses. Ah, salut Adonis, ça va? J'ai plus la foi. Ah bah ouais, bah désolé, bah tu vas plus rester à puer parce que dans cette famille, on peut plus se laver. C'est comme ça, on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit de nous laver. C'est sympa, hein? On n'a pas le droit. Et si tu te laves, t'as une taxe. Ah bah, elle aussi, elle pue. Bah oui, truc à faire.
Allons-y également, hein, ce sera la famille Flaubert numéro 2. Hein. Tout le monde qui pue. Hein. Ça, elle fait une sieste. Ah, nuage, nuage, mon petit nuage. Elle a travaillé dur, ça le... C'est mort, elle aura pas sa promotion aujourd'hui. C'est sûr qu'elle l'aura pas. Bon, de toute façon, qu'elle travaille dur ou pas, elle pue, donc bon. Super, je vais finir aujourd'hui, je vais être dégoûtée, hein, franchement, je vous le dis. Plan d'action de mes couilles, là. Les manières. Et voilà! Et elle va retourner cote encore! Ben oui! C'est pas comme si. Elle va bouffer. Je vous l'ai dit, vous avez pas le droit de vous laver. C'est comme ça ici. On peut utiliser les toilettes, mais. Vous avez pas le droit de tirer la chasse. Je peux plus rien dire au niveau des ordures, j'en suis plus à ça près. Hein. Toi, tu vas te changer de tenue parce que. Avec ton odeur et tout, là, ça va pas faire. On va pas être copains. Et hop, regarde la télé. Parce que bon, le temps que on cumule de l'eau avec nos trucs, là. Peut attendre longtemps! Ah, mais t'es relou, toi aussi! Oh là là! Tu me saoules, mais sérieux, j'en ai marre. Oh, qu'est-ce que c'est insupportable aujourd'hui de jouer avec eux, mais vraiment! Jamais quelque chose qui va bien, quoi! Ouais, allez, elle aussi, elle est malade! Oh, ça m'énerve. Allez, dégage! Va bouger, toi, je sais pas, va courir, vas-y, tant qu'à faire, on va y mettre tout le monde va se puer, voilà. Elle est rentrée du boulot, elle a pas eu sa promotion, et en plus elle est encore malade, comme d'habitude. Oh, ça me gave. Oh là 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 là. Eh, vivement que ça s'arrête là, parce que j'en ai marre. Quand c'est des jours comme ça, après j'ai plus envie de jouer aux Sims de toute ma vie, hein. Je vous le dis. Hein. Eh, c'est clairement insupportable. C'est clairement insupportable. Voilà. Super. Je suis désolée. Je vais faire ça. Je vais casser mon pauvre petit frigo qui a rien demandé. Ah, ça me dégoûte. Courage, ben, Shirley. Visage encourageant. Ben, je peux prendre une douche maintenant. C'est trop tard. Et ça tourne en... Et, sérieux. Je vais les laisser gérer comme ça, moi. Là, ça commence à me péter les noix. Voilà. Vous vous démerdez, vous faites votre vie. Sinon, comment ça se passe dans le chat? Vous allez bien? Ah non, là, c'est bon. Ah, c'est bon. J'en ai jusqu'à assez. Je vais mettre vitesse 3. Et à un moment donné, ils vont bien se coucher. Je les gère. Pas. Ils font leur vie. Allez. C'est vrai qu'il manquait encore la phase. Oui, et toi? Ouais, ça va, ça va. C'est juste que je suis gavée, là. Une fin d'épisode un peu spéciale. Je m'en fous, hein, il se gère. Je ne dirai rien, je ne ferai rien. Voilà, maintenant elle va mieux, elle s'est lavée. C'est juste pour me faire rater... Et pas avoir la promotion, comme ça, on va durer une semaine de plus. Allez. Non, je m'en fous, la semaine prochaine, on fera quand même la sélection de l'héritière. Hein. Je reste quand même sur mes trucs, mais... J'en vois une qui est partie aussi prendre un bain, une autre. C'est Prune, je vois d'ici que c'est elle qui a pris le bain. Ah non, mais là, ça, ils m'ont gavé. Ça fait 10 ans, là. Je savais pas qu'il y avait une mise à jour du jeu Origin début juin. Bah, Natcat, tu regardes pas mes vidéos sur YouTube? Il a pas... Ça, par contre, tu le fais pas. Va te coucher, tu me saoules.
Je veux pas les voir, mais au moins je leur demande d'aller se pieuter. Non, tu vas pas faire une sieste. Ils sont pas foutus de s'occuper eux-mêmes, d'eux-mêmes. C'est insupportable. Allez, hop, tu vas te pieuter, je vais plus en entendre parler. C'est fini pour aujourd'hui, j'enregistre et je vous remercie YouTube de m'avoir regardé. Cette série-là, je vais péter un câble aujourd'hui. Voilà, ils m'ont gavé. Ils m'ont gavé. J'ai plus envie de jouer, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est... On verra la semaine prochaine. On fera, j'espère, on finira le truc de Génération Grise, malgré que, ben, normalement, on aurait dû l'avoir aujourd'hui. Et puis, ben, on fera la sélection de l'héritière prune avec une... comment ça s'appelle? Une... Bon bref, elles vont se battre avec les échecs quoi. Allez, c'est parti, moi je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir suivi jusque-là. Bon courage en tout cas à ceux qui auront suivi, parce que c'est long et c'est pas Bonne intéressant. journée ou soirée, les copains à la compote de YouTube. Fais des bisous, à la semaine prochaine pour autre chose sur la chaîne. Venez sur Twitch, on est sympa. Au revoir Bye. YouTube. Des bisous, ciao.